Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo pour les derniers signes. Donc il m'en reste 4. Oh là là, je suis désolée, je suis vraiment un petit peu en retard. Mais en tout cas, allons-y. Je vais essayer d'en faire plusieurs ce matin. On va voir. Donc j'espère que tout le monde va bien. Merci pour tous mes abonnés, pour les personnes qui m'ont demandé un tirage personnalisé. Merci pour votre patience. Merci à toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Et en tout cas, ceux qui souhaitent un tirage, n'hésitez pas à regarder l'adresse mail en bas de la vidéo. Et puis, pour les autres, si vous souhaitez faire un petit don ou m'aider à évoluer ma chaîne, eh bien, il y a aussi un petit lien PayPal. Allez. Oula, j'en ai sorti deux. Les Gémeaux. C'est parti, on commence pour les Gémeaux. J'espère que tout le monde m'entend, pardon. J'ai mis mon micro ici. Donc, on verra. J'essaie de le rapprocher au plus de ma voix. On verra. Allez, un message important pour les Gémeaux. Je pense que ça va me gêner un peu. On verra. Allez, un message important pour les Gémeaux, juillet 2019. Pour tous les ascendants, signes lunaires aussi. Tous les Gémeaux qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Merci, merci, merci. Bon, je pense que les Gémeaux, vous allez avoir des nouvelles dans une situation, donc que ce soit professionnel pour certaines personnes, d'autres lié à l'amour, au couple. Si vous êtes célibataire, on dit qu'il y aura des nouvelles, des courriers. Qu'il y aura du coup, grâce à cela, un changement positif, une mutation positive et bénéfique pour vous au mois de juillet. On me dit que c'est lié à une femme, donc si vous êtes une femme, cela vous concerne. Et si vous êtes un homme, cela concerne une femme. On me dit que ce changement a été depuis sans doute le printemps et que c'est arrivé très rapidement. En tout cas, que ce changement arrive rapidement pour vous les Gémeaux. On me parle aussi d'avion, donc sans doute pour d'autres personnes un voyage. Et on me dit que en fait, cette mutation, ce changement arrive rapidement et que ça va amener la clé et la solution pour vous. Alors je continue. Je sais pas pourquoi j'ai continué comme ça. Ok. Alors les Gémeaux. On me dit qu'il y aura une mutation. Alors, les Gémeaux, il y aura pour vous une mutation positive, un changement positif pour vous, lié à une femme. Si vous êtes une femme, cela vous concerne. Si vous êtes un homme, cela concerne une femme. Alors, on me dit que c'est peut-être aussi ce changement va vraiment évoluer, peut-être dans 3 mois. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui a commencé à changer depuis ce printemps qui vient de passer. On me dit qu'il y a des choses rapides qui ont évolué, qui sont arrivées. Et que du coup, ça va amener la clé pour vous. La clé est la solution liée pour certaines personnes à un repos, pour d'autres liée à la réflexion. Et en fait, on me dit qu'il y a des choses rapides qui arrivent pour vous et que ça va vous faire souffler. Ça va vous faire du bien. Je sens un relâchement en fait, comme s'il y avait du négatif qui partait, comme si vous aviez fait des choix et que du coup cela va vous permettre de vous reposer. On me dit qu'il y a des choses encore rapides, donc dans le mois qui arrive là, qu'il y a des choses rapides qui arrivent liées à un homme. Après, si vous êtes un homme, on me dit qu'il y a énormément de spiritualité, de tout ce qui est don, tout ce qui est lié au ciel, donc les anges, les guides. Là, réellement, on dit que vous recevez des messages. Donc après, la lune,
la nouvelle lune vient d'arriver. Donc je pense qu'à partir de ce moment-là, il y a des choses qui vont se passer pour vous. Après les Gémeaux, je ressens beaucoup de niveau sentimental. Il y a beau, pour beaucoup, ce sera sentimental parce que je ressens des sentiments forts et partagés, qu'il y a eu du repos face à ça et qu'il y aura un changement. Après, pour d'autres, ça peut être aussi professionnel, lié à ce changement, cette mutation positive et rapide qui arrive, que vous allez avoir la clé, le soutien, la solution surtout pour vous reposer. Après avoir fait ce choix, vous allez vous sentir mieux. On me dit que par le passé, vous avez vécu des choses qui vous a permis d'avoir de l'expérience et que du coup, vous allez pouvoir en profiter de cette expérience pour votre futur, présent et futur, d'accord? On me parle d'un nouveau projet pour vous, mais que vous avez des doutes, que vous êtes perdu. On me dit non. Oui. Surtout si vous êtes un homme. Ou si vous êtes une femme, cela concerne un homme. Si vous êtes une femme. Non. Si vous êtes un homme, cela vous concerne. Si vous êtes une femme, cela concerne un homme dans votre entourage. Donc on me dit non, face à un nouveau projet. Donc peut-être que pour l'instant, c'est pas le moment. Mais prenez du recul. Enfin, voilà, on me dit que vous êtes quand même perdu. Et que pour l'instant, il va falloir attendre. Enfin, pas attendre, parce qu'il faut pas attendre. Il va falloir. Enfin, je ressens un manque de communication. Voilà, un manque de communication, il va falloir discuter, il va falloir se contacter. Vous avez besoin que la personne vous contacte, vous appelle. Donc après, ça peut être aussi lié à un projet. Peut-être que vous attendez un appel téléphonique et pour l'instant, il y a le silence. On me dit, soyez patient pour vous rapprocher de cette personne ou de ce projet. D'accord? Surtout lié au foyer. Je regarde. On dit que, en fait, il va y avoir des appels téléphoniques importants, donc soyez patient pour vous rapprocher de ce que vous souhaitez lié au foyer, à la maison. D'accord? Ça peut être vraiment professionnel aussi. Peut-être que vous attendez des courriers importants, des messages, des validations d'un projet, validation ou un accord face à quelqu'un. Enfin voilà, là je ressens vraiment qu'il y aura la clé, la solution face à un homme et une femme et que du coup ça mènera à un nouveau projet. Mais pour l'instant, on me dit non. Donc soyez patient. D'accord? C'est quelque chose que vous aimez, que vous désirez. J'espère que vous m'entendez bien. Alors, je continue avec l'oracle des miroirs. Donc, attendez, j'ai pas fait comme ça. Donc, changement positif et bénéfique rapidement. Ça va arriver vite parce que pour moi, ça arrive dans le mois qui arrive, donc au mois de juillet. On me parle du chiffre encore 77. Peut-être ça va vous parler. Écoutez les messages des guides, des anges, des plumes, des heures miroirs. Cela peut vous apporter des messages. On dit que aussi, écoutez vos ressentis, tout ce que vos ressentis, vos intuitions. D'accord, mes anges? Donc ensuite, on me dit qu'il y aura entre une femme et un homme la clé et le soutien face à un nouveau projet, que vous allez être un peu perdu, mais que ça va avancer. Effectivement, il y aura une décision de prise. On me dit que depuis le printemps, il y a énormément de réflexion, de repos, et que du coup, quelque chose va arriver sentimentalement pour vous. Après, il y aura un non face à vos doutes et peurs. J'ai l'impression que pour vous, les Gémeaux,
allez vous reposer, hein. Vous allez prendre du temps pour vous face à des décisions qui ont été prises. Voilà, donc je continue avec l'oracle des miroirs. Ouf. Ah. On me dit que pour vous, les Gémeaux, il y a un amour important, mais du coup, il y a quand même l'échec, hein, derrière. Donc, je pense qu'en fait, lié à cet amour, si cela vous parle, il y a vraiment des obstacles, des choses qui vous ralentissent face à cela. Il va y avoir du temps, des choses à apprendre. Enfin, voilà, c'est, si vous êtes dans une situation où c'est long, ben, on me dit que ça va continuer à l'être pour l'instant. Et qu'il va falloir être patient du coup. Il y aura un verdict. Il y aura une décision qui va être prise face à ces obstacles. Donc cela peut concerner un homme. Si vous êtes une femme, cela concerne un homme. Si vous êtes un homme, cela concerne une femme. Enfin voilà, vous prenez comme ça vous parle. En tout cas, on me parle ensuite de joie, de bonheur et de succès. Donc après, là, c'est comme s'il y a quelqu'un qui allait quitter quelqu'un et que du coup, ça va apporter du joie, bonheur pour d'autres. Enfin, là, peut-être si vous avez deux personnes, cela pourrait vous parler. Ou si vous êtes dans une situation où il y a deux personnes. On me dit pour vous, les Gémeaux, que il y aura... Ensuite, après ces obstacles, un amour, de la joie qui va suivre et que cela va apporter de nouveaux projets pour vous. Voilà, de nouveaux projets. Là, on parle d'enfants, de famille, que vous êtes protégés, qu'il y aura une décision prise par une famille. Et qu'il y aura des échecs, des obstacles, peut-être dans votre entourage. Donc peut-être que des amis vont essayer de vous conseiller, mais du coup, ce ne sera peut-être pas de bons conseils. Pour certaines personnes, mais je ne parle pas pour tout le monde, je ne sais pas si jusque-là, cela va vous parler. En tout cas, méfiez-vous, hein. Méfiez-vous. Alors, on me dit que pour certains Gémeaux, la séparation pourra être longue. Donc, vous prenez comme ça, vous parle. On me parle de séparation, d'éloignement. Et que pour certaines personnes, cela pourra être long. Donc, après, je ne sais pas, si vous êtes en triangulaire, bah, peut-être que cela... peut parler d'une séparation longue face à la personne qui a quelqu'un d'autre, que cela va mettre du temps, que si vous êtes en couple et que vous voulez vous séparer, on me dit que peut-être que la séparation va être longue. Enfin voilà, après ça peut être aussi professionnellement. Si vous êtes dans le professionnel, dans un projet, ou peut-être qu'on parle d'éloignement long. De se séparer de quelque chose qui va être lent. Face à une personne étrangère ou quelque chose qui est à l'étranger. Enfin voilà, vous prenez comme cela vous parle. Alors, allons-y avec... on me dit AJC. Les réponses angéliques. Message important. Message important avec les réponses angéliques. Pour les célibataires qui n'ont personne dans leur tête, qui n'ont personne dans leur vie, on me dit qu'il y aura une amélioration de votre santé. D'accord ? Donc si vous êtes en dépression ou mal, on me dit qu'il y aura une amélioration de l'état de santé. Pour les personnes en couple qui ne sont pas mariées et qui vivent ensemble, on me dit communiquer clairement. Voilà, donc il va falloir communiquer.
pour les personnes qui sont en couple, en relation, mais qui ne vivent pas ensemble. Une carte, s'il vous plaît, maison. Merci. On me dit abondance pour vous. Donc, pour les personnes qui sont en couple, en relation, qui ne vivent pas ensemble, on me dit qu'il va y avoir de l'abondance pour vous. D'accord ? Ah ! On m'a dit que des choses vont se résoudre et qu'il y a quelque chose encore mieux qui va arriver pour vous. Donc, patientez. Pour les personnes... Mince. On me dit non, là, tout de suite, si vous aviez une question. Pour les personnes... Oh là là. Pour les personnes qui regardent cette vidéo et qui sont mariées. Mariées. On me dit qu'il y a quelque chose de mieux pour vous qui va arriver, mes Gémeaux. Pour les personnes qui sont en retraite ou qui vont arriver en retraite, les retraités, mes anges, un message pour vous, s'il vous plaît. On me dit que la situation va s'améliorer. D'accord ? Peut-être lié aussi à un signe, on dit communiquer clairement, lié à un signe de poisson peut-être, signe d'eau, pour ceux qui regardent. Pour les personnes qui sont en triangulaire, donc trois personnes, un problème où il y a trois personnes, on me dit amour romantique. Donc il y a quelque chose qui... Il y a une fusion pour vous, les personnes avec trois personnes. Amour romantique. Bah, si vous vous posez la question si de l'autre côté ils vont se séparer, donc si vous avez quelqu'un et que cette personne a quelqu'un d'autre, est-ce que ces personnes-là vont se séparer ? Eh bien, on me dit demander de l'aide aux anges pour avoir plus de renseignements. Et seulement si vous y croyez. Donc, si vous voulez quelque chose avec cette personne, on me dit... Ça dépend de vous. En fait, il faut y croire. Si vous n'y croyez pas, ça va pas fonctionner. Du coup, vous amenez à vous... Bah, tout ce que vous... si vous croyez au négatif, si vous y croyez pas, etc., vous amènerez cette relation. Si vous y croyez, etc., que vous êtes amoureux, que pour vous, tout va bien se passer, bah, vous allez amener ceci à vous. D'accord ? Donc, si vous y croyez. Est-ce que j'ai oublié un groupe ? Pour toutes les personnes qui souhaiteraient vendre ou acheter une maison, on me dit rétablissement. Que vous allez vous rétablir face à cela, cette situation. Pour toutes les personnes qui ont un projet professionnel en tête, quel est le message pour vous, mes Gémeaux ? Rétablissement aussi. Une autre carte pour détailler. Pour toutes les personnes qui ont un projet en tête, professionnel dans les prochains mois, ça arrive, c'est positif pour vous, j'entends succès, et surtout si vous y croyez, ben bien sûr vous y croyez, il faut y croire. En tout cas, méfiez-vous de tout ce qui est négatif, éloignez-vous de tout ça. On me dit que j'entends jalousie, donc méfiez-vous aussi des personnes jalouses autour de vous, peut-être liées aux professionnels. Protégez-vous, vous pouvez vous protéger avec du sel sur vous, dans la poche droite, dans du papier d'alu. Cela peut vous aider, surtout avoir confiance en vous aussi, d'accord ? Donc maintenant je vais faire l'oracle d'Isa. Les chakras du cœur. Ah. Donc là,
Peut-être que ce tirage va concerner un homme ou une femme brune, surtout, peut-être dans les 3 semaines. Qu'est-ce qui va vous concerner pour vous, homme et femme brune? Message pour eux, s'il vous plaît, pour les Gémeaux qui regardent cette vidéo. Dans 3 semaines. Bah voilà, on dit qu'il y a des doutes et des peurs et que cela n'est pas fondé. Pour le mois de septembre, mais que ça va aller. Que pour d'autres, pour les personnes qui sont peut-être, qui ont un choix à faire entre trois. Là, j'entends 3 personnes encore. Donc cela va vous concerner, il y aura un choix à faire. Pour d'autres, on me dit que. Un choix à faire est là, donc il va falloir faire ce choix. Mais en tout cas, surtout le choix de enlever ses doutes et ses peurs, d'accord? On me dit que lié à l'amour, à tout ce qui est sentimental, on me dit qu'il y a un amour, un âme sœur spirituel pour vous. D'accord? Dans les 4 jours là qui arrivent. On parle d'âme sœur spirituelle, que c'est peut-être un homme ou une femme brune, et que si vous avez des doutes face à cette personne, ce n'est pas fondé. On me dit que c'est une personne qui va divorcer en automne peut-être, ou qui va se séparer. Je ne sais pas si ça vous parle. En tout cas, voilà ce qu'on me dit. On me dit qu'il y a eu des répétitions de schémas pour certaines personnes au printemps, mais que du coup des choses changent. Ne doutez plus, enlevez ces peurs, car c'est un âme sœur spirituel et bah il y a quelque chose qui va changer pour lui, d'accord? Ou pour elle. On me parle de mensonges pour d'autres. Donc, ouvrez les yeux. Message important pour tous les Gémeaux qui regardent cette vidéo. On parle qu'il y aura du changement. Personne ne va divorcer en automne, là, face peut-être à des mensonges qu'il y a eu, un masque, face à plusieurs répétitions de schémas. Message important pour. On parle de guérison pour vous, les Gémeaux. Surtout au mois de novembre, il y a un chemin de guérison pour vous et on me dit que peut-être vous êtes une personne qui guérit. C'est comme si le. Voilà. C'est comme si le négatif parle. C'est, je ressens des choses lourdes pour vous, les Gémeaux. On me parle de. Il va falloir vous guérir, faire des soins énergétiques, faire des méditations. En tout cas, on dit que pour d'autres, vous êtes un guérisseur. Vous êtes avec les mains. Il y a quelque chose dans la spiritualité que ceci va vous aider à guérir aussi. C'est comme si vous montriez le chemin pour certaines personnes. On me dit que cet été, il y a quelque chose lié au réseau de télécommunication, qu'il va y avoir de la guérison face à la télécommunication, les réseaux sociaux, tout ça. Hein. Donc, si vous êtes une personne sur les réseaux, que vous postez des vidéos, ce genre de choses, on me parle de guérison, que vous allez pouvoir aider certaines personnes pour guérir. Que vous allez communiquer, que cela va vous aider. Que donc pour vous, votre mission de vie est d'emmener les gens vers la guérison, d'aider à la guérison, de communiquer avec eux pour pouvoir les aider. On me dit qu'il va falloir faire des efforts pour vous dans les 2 mois, les Gémeaux. Qu'en faisant des efforts dans les 2 mois, des choses bénéfiques pour vous arriveront. On me parle de changement, que cela va mener au changement, d'accord?
Il y aura quelques obstacles, des défis, des événements imprévus, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Au mois de juillet, c'est comme si l'univers vous apportait, vous allez vous mettre des épreuves dans votre vie pour voir si vous êtes sûr de votre voie, de votre choix, de ce que vous voulez réellement. Et il y aura une amélioration après ces défis et ces obstacles, d'accord ? Message important pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Message important pour les Gémeaux. Que va-t-il se passer pour juillet 2019 pour eux ? Merci, merci, merci. Je suis l'ange de l'abondance. Vous recevrez l'argent dont vous avez besoin. Dieu s'en charge. Ayez confiance. Donc, si vous avez un doute face à l'argent, face à des biens matériels, un bien matériel, au foyer, à l'achat, à vente d'une maison, lié aux amis, à votre amour, à un âme sœur, on me parle d'abondance. Donc, vous allez recevoir quelque chose de positif pour vous car les anges sont là. Vous vous envolez à présent très haut, ce qui effraie les autres, mais ne redescendez pas, ils seront vite inspirés par votre exemple. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, méfiez-vous des personnes jalouses qui pourraient vous rabaisser ou vous jeter l'œil, etc. Parce que là, ce qu'on me dit, c'est quelque chose de positif pour vous. Vous allez vous envoler, vous allez monter là-haut. Bon, mes Gémeaux, va falloir se reposer parce que je sens beaucoup de fatigue. Je sens des choses lourdes sur votre dos. Je pense que vous avez besoin de repos. Va falloir souffler. D'accord ? Allez, une carte de l'oracle de G pour vous les Gémeaux. On me parle de force et de courage pour vous, mes Gémeaux. Que vous êtes quelqu'un de très caractériel, que vous ne vous laissez pas faire, que vous avez de la force, du courage. Et on me parle du chiffre 11. Ça me parle, c'est quelqu'un vous aime, vous l'aimez. Et on me parle d'équilibre. Voilà, il y aura de l'équilibre et il y aura papiers administratifs face. Peut-être lié à de grands enseignements tels que la mairie, notaire, avocat, qu'il va falloir garder cette force et ce courage pour vous, mes Gémeaux, car il y aura quelque chose lié à ça. On dit que vous allez avoir des nouvelles face à ces papiers, qu'il y aura des signatures et des contrats pour vous, mes Gémeaux, que vous allez vous rapprocher de ce que vous souhaitez, qu'il y aura un équilibre face à un homme. Si vous êtes une femme, cela concernera un homme. Si vous êtes un homme, cela vous concernera. Il y aura encore quelque chose d'équilibré dans le commerce, dans tout ce qui est projet, dans le travail. En tout cas, on me parle d'un signe balance aussi. Si cela vous parle, on me parle de balance. De balance, de... Quel choix vais-je faire aussi ? Quelle situation pour moi ? Donc en tout cas, on dit qu'il y aura des signatures. Qu'il y aura aussi après ce choix un éloignement face à une situation et que cela va vous apporter un changement, une transformation et le succès de l'argent. Voilà, on part du chiffre 1. Du chiffre 11, du chiffre 111. Donc cela est vraiment un commencement de quelque chose. Pour moi, il y aura des signatures au travail pour certaines personnes. Des papiers à régler au travail. Un équilibre dans le commerce. Un éloignement de quelque chose pour justement aller vers quelque chose de nouveau. On me parle de négociation. Et on parle encore du chiffre 11, 9 plus 2, 9, 10, 11. Là, on a le 10, vous vous éloignez quelque chose pour aller vers le 11. Donc,
le nouveau travail, la négociation envers quelqu'un, envers deux personnes, envers une nouvelle personne ou votre autre, enfin je sais pas, je dis ce qui me ressort, ça sort comme ça. On peut me parler aussi de séparation face à quelque chose d'un projet ou professionnel, et que cela va vous amener du bonheur dans votre tête, ça va vous faire du bien. Vous allez vous sentir mieux, mes Gémeaux. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. En tout cas, je vous remercie pour tout ce que vous avez fait pour moi, pour tous vos abonnés, pour toutes les personnes qui m'ont donné des conseils, pour toutes les personnes qui commentent mes vidéos, qui m'amènent du positif, de la joie, parce que je ressens énormément de positif sur vos commentaires. Si vous nous entendez mal, bah, je suis vraiment désolée, mais pour l'instant, je ne peux pas faire mieux. C'est comme ça, donc c'est que peut-être vous n'avez pas de message pour vous. Si vous n'entendez pas ou que ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou signe lunaire. Et si ce n'est pas encore fait, ça va arriver vite. En tout cas, n'hésitez pas à aller en bas de la vidéo pour faire un tirage personnalisé si vous le souhaitez. Et pour d'autres, faire un petit don si vous le souhaitez pour faire améliorer ma chaîne. Voilà, je vous souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonheur pour vous. Plein de positifs et une excellente journée remplie d'amour, mes Gémeaux. Mouah.